au Cameroun, Tiens, regardez cette plante là. Cette plante sur laquelle tout le monde marche, c'est du plantain. Là. Écoutez un petit peu. C'est coriace, hein? Oui, assez. C'est un peu un goût de champignon, on dirait. Oui, oui, c'est ouais. Ça, c'est ça. Un peu plus amer, peut-être, mais. Avec une petite amertume, c'est une plante comestible dont on fait des soupes, dont on fait des légumes, qu'on mange en salade également. Mais sa grande utilisation populaire à la campagne, c'était un petit peu, si vous voulez, la trousse de pharmacie de secours de la nature. C'est-à-dire que quand on se fait piquer par des orties, par exemple, ou par des guêpes, ce qui fait très mal, alors il suffit de froisser la feuille de plantain et puis de frotter à l'endroit de la piqûre, et en une minute, la douleur disparaît. Ça marche véritablement. Ah, ça marche vraiment, oui. Et également, ce qui est très efficace, et c'était très utilisé pour ça, c'est contre les blessures. Là, en général, on mâche un petit peu la feuille et on l'applique. Et ça agit par une synergie entre le mucilage que contient la plante qui est adoucissant, les tanins qu'elle contient et qui resserre les tissus, qui a une action astringente, et puis un principe antiseptique. Et ça, c'était une connaissance populaire qui était partagée absolument par tout le monde. François Couplan est ethnobotaniste. Auteur fécond, il a consacré une bonne part de sa vie à parcourir la planète pour répertorier les usages innombrables que l'homme réservait aux plantes. Dans la campagne fribourgeoise, le jardin de François Couplan est une encyclopédie sauvage et odorante, à mille lieues des tristes cultures standardisées du commerce. Plantes aromatiques, médicinales, mais aussi plantes comestibles aux saveurs oubliées. Ainsi, ce bleuet, rescapé des champs de blé industriels, était utilisé autrefois pour calmer les yeux irrités. À quelques encablures de là, la grande angélique qui donne son arôme à la chartreuse, une plante qui entrait dans les préparations digestives les plus complexes. Ou encore la bourrache, la plante du bonheur, selon les anciens Grecs, bénéfique pour les bronches. Voici une plante que j'aime beaucoup. C'est un excellent légume, cette plante-là. Ça ? Ouais. C'est de la mauvaise herbe, ça pousse partout. Oui, ça pousse partout, mais bon, pour moi, il n'y a pas de mauvaise herbe. Toutes les plantes ont leur utilité. Ça s'appelle les gopodes des goutteux. C'est une plante qui a donc également des propriétés médicinales. Contre la goutte, ça dissout les dépôts d'acide urique. Ah, c'est aussi un médicament alors? Oui, d'ailleurs, comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton remède. Mmh. Hein, je crois qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Et cette plante, c'est encore un excellent exemple. Cette plante qui est aussi un très bon légume, s'appelle la consoude. Ça, c'est un drôle de nom. Oui, soude. Consolidée. Ouais. Ressoudée parce qu'elle a la propriété de favoriser la croissance du tissu osseux grâce à la lanthéine qu'elle contient. Et on l'utilisait dans le temps pour favoriser le développement de l'os à la suite d'une fracture. Mais alors là, on est dans un savoir médical qui est quand même assez élaboré, je veux dire. Oui, c'est certain que ce n'est pas la même chose que, par exemple, avec le plantain que tout le monde pouvait utiliser. Mmh. Quand on avait une fracture, on allait voir un guérisseur. Ces guérisseurs connaissaient un grand nombre de plantes et transmettaient leur savoir oralement à des personnes choisies. Il existait en quelque sorte des lignées de guérisseurs. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'en existe pratiquement plus. Alors précisément, avec l'aide de François Couplan, nous avons retrouvé en Valais une des dernières personnes de Suisse qui pratique encore ce métier de guérisseur. Élixir de longue vie pour fortifier le cœur, soigner la toux et la goutte, et contre les flatulences.
mélanger à poids égal des racines et des semences d'angélique et d'impératoire, de la racine de valériane, de la semence d'anis, des fleurs de centaurée et de bourdaine séchée. Faire macérer 200 g de ce mélange dans 2 litres d'eau de vie pendant 15 jours. Filtrer et conserver au frais dans des petits flacons de teinte foncée. Prendre 2 fois par jour 25 gouttes dans une tasse de tisane. Une recette parmi toutes celles que Germaine Cousin a accumulées depuis une vingtaine d'années. En se remémorant les préparations de sa mère et de sa grand-mère. Et aussi en recueillant les souvenirs des personnes âgées de sa région. Aujourd'hui, plus que jamais en harmonie avec la nature qui l'entoure, Germaine perpétue la tradition. Et la réputation de ses huiles, de ses sirops et autres cataplasmes s'est répandue bien au-delà du Val d'Hérens. Vous avez pris la recette quand vous êtes venu. Et vous avez déjà fait. Ah, voilà, ça ne suffit pas de savoir. Il faut avoir la volonté, puis il faut le faire. Et puis, pour la digestion aussi, c'est le thé d'absinthe. Mais l'absinthe, vous devez le faire très léger. Parce que si vous le faites trop fort, premièrement, ce n'est pas agréable à boire. Et puis, c'est quand même à cause des toxiques. Et puis, faites ça quelques jours, et puis vous me rappelez. Au revoir, Madame Kaufmann. Merci beaucoup. Voilà. Quel genre de conseils, en fait, on vous demande? Beaucoup de conseils de prévention, ou bien pour, par exemple, quelqu'un qui souffre de mauvaise digestion, ou qui a des problèmes de... qui ne peut pas bien dormir, ou des nervosités, des choses comme ça. On peut très, très bien corriger tout ça avec les plantes. Mais je ne suis pas capable de faire un diagnostic, parce que ça, c'est pas ma partie, c'est la partie du médecin. Vous avez tout pour vous soigner, vous trouvez absolument tout dans la région. C'est vraiment formidable. C'est vraiment le jardin du bon Dieu par là. Quelles herbes vous avez mis là-dedans? Alors là, j'ai mis d'abord de la saule, c'est une herbe très désintoxicante. J'ai mis l'impératoire, c'est une plante qui est cicatrisante. Et j'ai mis la mauve. La mauve, elle est adoucissante. Alors ça donne une pommade vraiment pour beaucoup de choses. C'est la base pour beaucoup de choses. Germaine aime à le souligner, rien de bien sorcier dans la préparation de cette pommade au saindoux, comme dans celle des huiles adoucissantes ou des sirops calmants. Juste des produits naturels, quelques ustensiles courants et une certaine dose de bon sens. Alors les essences, j'ai mis l'essence de térébenthine, qui est tellement bon pour les bronches, pour tout ce qui est rhumatismal, pour les douleurs. Et j'ai mis le genièvre, qui est aussi bon pour les coups qu'on reçoit, qui est fortifiant également. Puis là, j'ai mis l'huile de l'essence des 24 plantes, parce qu'il y a un mélange de toutes les plantes, qui est aussi très bon pour les bronches et pour les mains, surtout pour les mains gercées, pour le durillon et tout ça. Donc c'est une pommade qui agit un peu pour tout. Un peu pour tout, oui. C'est une pommade qui agit pour tout le corps, mais on ne l'utilise pas pour le visage. Elle est un peu trop forte, mais on l'utilise pour tout le corps, sauf le visage. Et alors maintenant, c'est la dernière opération. Il faut bien, bien la travailler pour que les essences se mélangent. Et puis pour savoir si mes essences sont à la bonne quantité, voilà, on les sait. Alors, si on ne sent plus du tout le saindoux, alors c'est bon. Le savoir de Germaine n'est pas à vendre. Elle préfère le troc ou qu'on lui rende en échange de menus services. Continuez à respirer et regardez en vous. Comment vous sentez-vous? Comment votre corps se sent-il? Germaine est curieuse de tout. Des techniques de relaxation au chant grégorien, elle s'intéresse à tout ce qui, au même titre que ses préparations, pourrait contribuer au bien-être de l'individu.
Bon, il y a des gens qui sont indifférents, il y a des gens qui rigolent, puis alors il y a ceux qui disent quoi faire mourir, il y a de tout. Quelquefois, au début, on va lui appeler Lazare, non, ou bien à la sorcière de Meurutz, et puis, bon, je suis un petit peu dehors de là, non, il y en a qui me trouvent peut-être un peu original. On comprend pas bien que je puisse dormir seule dans un chalet, que je dois m'ennuyer, que je dois avoir peur, mais je vois pas de quoi j'aurais peur, et puis m'ennuyer, c'est impossible, je n'ai pas le temps. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les plantes. Et c'est une passe, ça devient vraiment une passion. Et en me promenant et tout ça, si j'ai des plantes que je ne connais pas, je les regarde et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec. Et souvent, j'en prends une pour tâcher de demander à quelqu'un. J'ai de la chance ici au village parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui connaissent. Seulement, les gens ne pratiquent pas. Il faut une chose. Il y a une autre dame que je connais, elle fait des alcoolats régulièrement. Mais elle ne fait que ça. Alors, je suis un peu la seule qui est touche à tout, qui a voulu vraiment aller au fond puis voir tout ce qu'on peut faire avec la même plante. Tout genre d'empoisonnement du sang, contre la grippe, les brûlures d'estomac, la diarrhée, usage. En tisane, teinture mère. TM, c'est bon. Alcoolat. C'est bon. Cette connaissance, Germaine ne tient pas à la garder secrète. Au contraire, elle trouve important de la transmettre. À son fils d'abord, et puis à un plus large public grâce à un livre qu'ils sont en train de rédiger. Par ailleurs, en été, Germaine organise aussi des mini-stages pendant lesquels elle transmet certainement autant ses recettes que son émerveillement devant les richesses de la nature. Je me mets contre un arbre comme ça, je médite un peu et je sens très bien les énergies qui montent de la Terre au cosmos par le côté gauche, qui redescendent du cosmos à la Terre par le côté droit. Et au bout d'un petit moment, je sens ces énergies qui circulent et ce sont des énergies qui m'apportent beaucoup. Je rentre à la maison, je ne suis plus fatiguée. Et si les gens revenaient à l'écoute de la nature, il y aurait beaucoup moins de dépression, il y aurait moins de gens nerveux, il y aurait moins de gens malheureux. Parce que même quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a rien, ça lui est donné, ça lui appartient. C'est beaucoup plus facile de soigner la santé que de soigner la maladie. Alors, tant qu'on soigne sa santé, on reste en bonne forme. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir enseigner ou donner l'envie aux gens de se prendre en main, de soigner leur santé. On pense généralement que les plantes, ça ne peut servir qu'à soigner des petits bobos. Mais certaines plantes contiennent des substances actives, vraiment puissantes, comme par exemple celle-ci qui est l'absinthe. Ah, ça c'est de l'absinthe. Oui, qui sent délicieusement bon, mais qui a été interdite parce qu'elle contient de la thuyone, qui est une substance toxique en mélange avec l'alcool. Et une de ses cousines, originaire d'Extrême-Orient, est à l'heure actuelle source de nouveaux médicaments contre la malaria. Mais contre la malaria, on avait déjà la quinine, non? Oui, mais cette substance est beaucoup plus active, en particulier en ce qui concerne le Plasmodium falciparum, qui attaque la base du cerveau et qui est mortelle. Et donc maintenant, on cultive une cousine de cette plante. Voilà. Pour vraiment faire un médicament. Pour fabriquer des médicaments, en fait, antipaludéens. Ce qui risque de sauver un certain nombre de centaines de milliers de vies. L'idéal, lorsqu'une plante contient des substances actives, ce serait de pouvoir en extraire le jus et d'en faire un médicament sans autre. Mais dans la réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. En principe, il faudra synthétiser la molécule pour pouvoir faire un médicament de grande distribution. Et puis, il faudra procéder à toutes sortes de tests cliniques. Tout cela prend du temps, une dizaine d'années en tout cas. Et ça coûte cher. On compte qu'il faut quelque chose comme 300 millions pour mettre sur le marché un médicament. Ça sent bon, c'est délicieux. Bref, bien avant qu'on en soit à la fabrication du médicament, il faut encore trouver les plantes sur le terrain. Ça, c'est une véritable aventure qu'une équipe de télescopes a suivie pour vous.
plantes, c'est un vrai trésor. D'abord, elles sont belles. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 500 000 sur la Terre et à peu près 10% étudiés seulement. Les plantes sont extrêmement complexes. Du point de vue de leur composition chimique, il faut savoir qu'une plante contient environ 10 000 substances chimiques différentes, dont un certain nombre seulement sont responsables de l'effet thérapeutique ou de l'effet toxique. Souvent, une seule substance parmi 10 000. Donc, une source incroyable de médicaments à trouver encore. Trouver des plantes susceptibles de contenir de nouvelles molécules médicaments demande parfois d'aller les chercher très loin. Jusqu'au Panama, par exemple, où nous suivons deux chercheurs de l'équipe du professeur Hochstetmann. Sous la conduite de deux botanistes du pays, ils explorent une forêt tropicale particulièrement riche en espèces végétales. Ils espèrent trouver là des plantes contenant des molécules entièrement nouvelles, impossibles à imaginer en chimie de synthèse. Durant les 30 dernières années, tout le monde s'intéressait à la chimie de synthèse. À l'heure actuelle, je dirais, je ne vais pas être méchant à l'égard de mes collègues chimistes qui font de la synthèse, mais ils sont peut-être aussi un peu à court d'idées. Et la plupart des molécules maintenant proviennent de la nature. Beaucoup de molécules proviennent de la nature, mais il y a aussi une question de mode. Il faut le dire, il y a une question de mode. Les gens en ont marre de produits synthétiques et ils voudraient des produits naturels. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Une plante, c'est une usine chimique absolument formidable et une molécule isolée d'une plante est exactement identique à une molécule obtenue par voie de synthèse. Elle présente donc les mêmes propriétés bénéfiques ou toxiques aussi. Ces propriétés bénéfiques, les collaborateurs du professeur Hochstetmann les recherchent en particulier dans la famille des gentianes, dont ils ont trouvé dans cette forêt une espèce particulièrement rare, puisqu'elle ne pousse que là. On va arrêter là. On en a assez de toute façon. Pour l'analyse préliminaire, ça va suffire. Je sais pas si les principales mères sont les mêmes ici que ceux qu'on a. La même corteza un poquito más. Pourquoi vous prenez cette plante? Puis pourquoi les racines? Je trouve qu'on a travaillé sur beaucoup de anciennes racines en Europe. Et c'est assez intéressant de comparer la composition chimique qu'on peut avoir dans les racines, ici, sous un climat complètement tropical, très différent de celui qu'on a chez nous. Et ces plantes sont de véritables petites usines chimiques. C'est dans les racines qu'on aura une production de composés la plus intéressante, en fait. Dans notre institut, nous faisons des tests pour essayer de trouver des substances qui peuvent agir, qui peuvent soigner la dépression. Les gentianes sont utilisées en médecine ayurvédique indienne pour le traitement de la dépression. À l'heure actuelle, il y a toujours plus de déprimés dans ce monde. Beaucoup de gens n'ont pas de travail et ceci nous a beaucoup intéressés. Voilà pourquoi les chercheurs de l'équipe du professeur Hochstetmann récoltent des gentianes partout dans le monde. Mais avant de les emmener à Lausanne pour les analyser, ils ont besoin de les identifier. C'est à ce stade qu'interviennent les botanistes de l'herbier de l'Université de Panama. Ces experts de la flore du pays ont un rôle primordial à jouer. Il est en effet impossible aux chimistes suisses d'envisager de publier les résultats de leurs recherches dans une revue scientifique sérieuse sans avoir le nom latin exact de la plante. La botaniste le détermine en étudiant attentivement ses caractéristiques, feuilles, fleurs, etc. Elle s'aide aussi en comparant la plante avec quelques-unes des milliers de planches de référence de l'herbier. Un exemple de la collaboration étroite entre l'Université de Lausanne et l'Université de Panama. L'une se chargeant des analyses chimiques des molécules, l'autre, l'Université de Panama, assurant outre la détermination des plantes, leur séchage et leur préparation. Cette collaboration est régie par un accord signé par les responsables des deux universités. Grâce aux accords entre l'Université de Panama et l'Université de Lausanne, nous avons découvert plus de 90 molécules nouvelles qui n'avaient jamais été décrites dans la littérature scientifique.
Parmi elles, une molécule isolée de la gentiane cueillie au Panama et analysée à l'Université de Lausanne. Quelques millilitres d'un extrait préparé à partir des racines de la plante ont suffi. Injectés dans un appareil d'analyse hyper sophistiqué, ils ont permis d'isoler un à un chacun des composés de la plante et d'en déterminer la structure chimique. L'un d'entre eux s'est révélé particulièrement intéressant. Comme d'autres molécules de la même famille trouvées dans différentes espèces de gentiane, il a montré une activité antidépressive. Les gentianes pourraient donc être à l'origine d'une nouvelle génération de médicaments actifs contre la dépression. Malheureusement, beaucoup de plantes sources de médicaments sont aujourd'hui menacées. Nous sommes tout à fait préoccupés par la destruction des forêts tropicales. Il faut savoir que chaque jour, des dizaines d'espèces de plantes disparaissent à cause de la déforestation. On parle des forêts d'Amazonie, mais il n'y a pas seulement l'Amazonie, il y a bien d'autres pays où on a ce phénomène. Il faut essayer, pour chaque plante qui existe, de l'analyser, parce que peut-être là, potentiellement, on a des molécules pour guérir les grandes maladies qui affectent ce monde. Mais aussi, nous devons penser chaque fois que quand nous ramassons des plantes à préserver l'espèce, voire à penser faire des cultures de cette espèce. Pour préserver les espèces végétales, les chercheurs de l'Université de Lausanne font très attention dans leurs récoltes de ne prélever que le strict nécessaire. Les plantes sont de véritables mines de molécules nouvelles et ils savent que s'ils veulent pouvoir les analyser un jour, ils doivent protéger la nature. Pour beaucoup de gens, c'est la nature, ça. Mais si vous regardez cette prairie, elle a été tellement engraissée par l'agriculture, il n'y a plus que quelques espèces qui peuvent y pousser. Il y a un petit peu de plantain, des graminées, un petit peu de trèfle, quelques renoncules. Ouais, d'ailleurs, on n'observe aucun insecte non plus. Hein. Il n'y a rien qui vole là-dedans. Oui, c'est absolument juste. La diversité biologique de ce type de prairie est devenue très pauvre. Ça n'a pas vraiment l'air d'être la nature. C'est, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Vous avez choisi le bel endroit, là. Oui, c'est pas très beau. Et pourtant, ici, comme c'est un des rares endroits de nos régions qu'on ne cultive pas, la diversité y est très intéressante. Vous voulez dire que dans un terrain vague, on trouve plus de plantes différentes que dans une prairie? Oui, absolument. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce qui pousse par ici. Ça, c'est de l'armoise. C'est une plante qui est utilisée pour régulariser les règles. Et on peut également consommer les petites pousses en beignet. Cette plante, c'est de la laitue sauvage, dont on peut manger les petites pousses en salade. Et par ailleurs, elle contient un lait, voilà, qui s'utilisait dans le temps contre les intoxications à l'opium, dans les cures de désintoxication. Et ce lait a des propriétés hypnotiques. Ça veut dire que ça permet de dormir en faisant des beaux rêves. Vous voyez, là, il y a un magnifique millepertuis. Oui, alors lui, il a vraiment poussé dans les tuyaux, là. Oui. C'est la plante qui saigne, le millepertuis. Quand on presse entre les doigts... Ça devient tout rouge, ouais. Oui. Rouge-brun. Et alors, quand on met ces fleurs dans de l'huile d'olive, on en fait encore à l'heure actuelle une préparation. Une huile qui sert contre les brûlures et les coups de soleil, qui est très efficace. C'est étonnant. Oui. Vous avez vu hein, tout ce qui pousse ici. Hein. Oui, c'est fantastique. On n'imagine pas. C'est plein de choses différentes. Oui. Mais si jamais cette diversité venait à disparaître, tout le savoir qui va avec serait bon pour le musée. C'est vrai que le savoir et la biodiversité, c'est indissociable. Alors maintenant, on retourne au Panama et on va voir comment nos chercheurs vont eux aussi à la rencontre du savoir des autres.
Panama City, capitale de la République du Panama. À l'ombre des gratte-ciels abritant les banques du monde entier, vit une population locale très pauvre. Une population exubérante, métissée d'Européens, de Noirs, d'Indiens, qui a su garder et développer une véritable connaissance des plantes médicinales. Ces plantes sont vendues sur les marchés. À côté des étals de fruits, de légumes, de viande ou de volaille, il y a souvent un secteur où se trouvent de nombreux marchands spécialisés dans les plantes médicinales. Des espèces très variées, largement utilisées par la population et qui semblent soigner de nombreux maux. Cette plante est bonne pour quoi? Pour la tête? Ces plantes, en général, soignent tout le corps. Si vous avez une grande douleur, mais mauvaise, hein, très mauvaise, vous avez mal aux reins, par exemple, à la ceinture, vous prenez cette plante, ça devient un médicament. Vous préparez un shampoing que vous appliquez à la hauteur de la ceinture, là. Là où vous sentez la douleur. Et celle-ci, là, elle sert à quoi? Les nerfs. Cette plante-là, c'est un remède pour une personne malade des nerfs. Une personne qui se lève de son lit et se tape la tête et qui pense à des choses mauvaises. Elle prend ça un petit peu et ça s'arrange. Elle va beaucoup mieux. Se soigner par les plantes n'est pas toujours inoffensif. Certaines sont toxiques. Lors de notre reportage au Panama, quelques femmes étaient mortes après avoir mangé une espèce de noix très commune censée les faire maigrir. Et les chimistes spécialisés de l'université se mobilisaient pour mettre en garde la population. L'un des axes les plus importants de nos recherches est l'étude que nous appelons ethno-pharmacologique de l'usage des plantes médicinales dans les groupes de population indigène du Panama. Au Panama, il y a 5 groupes d'Amérindiens différents. Les Kuna, les Chocoyes, les Teribe, les Bogota et Guamillas. 74% des médicaments utilisés aujourd'hui ont été découverts en étudiant l'usage traditionnel qu'en font les différents groupes ethniques. Les recherches du professeur Gupta recoupant celles du professeur Hochstetmann, il était normal que leurs équipes collaborent et se rejoignent pour aller étudier un groupe indigène très particulier du Panama, les Indiens Kunas. À une heure d'avion de Panama City, les Kunas sont établis dans l'archipel des îles San Blas, un ensemble de 350 îlots dans la mer des Caraïbes, dont seules une quarantaine sont habités. Les autres sont utilisés par les Indiens pour la culture des noix de coco. Les Kunas sont certainement l'un des groupes indiens de toutes les Amériques à avoir su le mieux se prémunir de l'influence des différents conquérants et préserver leurs traditions. D'où l'intérêt qu'ils représentent, mais qui explique aussi la difficulté à les aborder. Les images que nous avons finalement réussi à filmer n'ont pu être obtenues qu'après de longues tractations avec les Sailas, les chefs du village. Des tractations recommencées chaque jour, car dans leur société démocratique, rien n'est jamais acquis. Chacun, et pas seulement les chefs, peut et aime s'exprimer et remettre en cause les décisions. Rencontrer les Indiens Kunas est l'occasion de découvrir une culture millénaire, mais aussi une manière d'appréhender la maladie très différente de la nôtre. Pour les Kunas, la maladie est le résultat d'un déséquilibre entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est un signe donné par l'esprit des anciens pour indiquer qu'une loi a été transgressée et que les choses vont mal dans la société. Il ne suffit donc pas de soigner le malade, mais il faut s'occuper aussi de chacun des membres de sa famille. Cette vision complexe et globale de la maladie nécessite l'intervention de plusieurs soignants. Il y a d'abord le Nélé, le chaman, qui peut être un homme ou une femme, comme cette très jeune fille. Son père nous explique que depuis sa naissance, elle est différente. À travers ses rêves, elle est en contact avec le monde des esprits. Nous avons beaucoup d'esprits en nous. Notre corps est un roseau et dedans, il y a une âme.
Et cette âme peut te faire du mal, mais peut aussi te faire savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La Nélé est en contact avec le monde des morts et nous précise son père également avec les esprits de la forêt. C'est elle qui pose le diagnostic de la maladie. Elle adresse ensuite le patient à un autre soignant. C'est Lina Toulette, le phytothérapeute, qui, lui, administre les traitements. Il ne communique pas avec les esprits, même s'il prie et remercie les dieux de leur aide. Son pouvoir de guérison est lié à sa connaissance des plantes, acquise après 10 à 20 années d'apprentissage auprès d'un autre Lina Toulette. La connaissance millénaire des plantes médicinales de Lina Toulette intéresse directement notre équipe de scientifiques qui lui demande de pouvoir le suivre dans sa cueillette des plantes sur le continent tout proche. Conscient de l'intérêt que son savoir représente pour les Occidentaux, Lina Toulette finit par accepter. Mais à nouveau, après de longues tractations, des promesses de cadeaux pour lui et sa famille. Il pose une exigence supplémentaire. Le professeur l'aidera dans sa cueillette et portera les corbeilles. Sur les pas de Lina Toulette, toute l'équipe pénètre dans la jungle. Le petit homme trottine devant sans proférer un mot et sans hésitation. Il est âgé de plus de 70 ans et il est presque aveugle à cause d'une cataracte. Les scientifiques sont intrigués. Est-il vraiment capable de trouver et de reconnaître des plantes médicinales? Et puis le doute s'accroît. Lina Toulette ne semble ramasser que des plantes sans grand intérêt. Le malentendu sera vite dissipé. Ce ne sont pas des plantes médicinales, mais seulement des feuilles destinées à tapisser le fond de ces corbeilles. Ces préparatifs terminés, la cueillette commence vraiment, et à un rythme plus que soutenu. Lina Toulette, malgré son âge et sa cataracte, continue de marcher à vive allure. Le professeur court derrière lui et toute l'équipe peine à l'y suivre. D'une demi-heure, Lina Toulette a fini de récolter toutes les fleurs, feuilles, tiges et écorces nécessaires pour les 6 malades qu'il est en train de soigner, chacun ayant droit à son propre mélange préparé à l'avance dans une corbeille. Pendant toute l'opération, un des membres de l'équipe ne l'a pas quitté des yeux.
C'est le botaniste panaméen qui a noté systématiquement les noms, ou du moins les caractéristiques des plantes utilisées. Il est en effet essentiel de les retrouver plus tard. Tout semble terminé quand tout à coup, à la surprise de l'équipe, Lina Toulette se met à chanter. Une longue mélopée pour invoquer les dieux, demander leur protection et leur aide pour bien soigner ses malades. Mais cela ne satisfait pas la curiosité du professeur Hochstetmann, qui aimerait bien savoir de quelle manière Lina Toulette compte préparer ses plantes. La réponse a de quoi surprendre. On ne va pas sécher les plantes. La plante restera fraîche. Comme ça, elle conserve toute son énergie et son pouvoir. On les met fraîches dans le bain. Et le patient s'y baigne tout de suite. Au moment de repartir, Lina Toulette charge sur son dos un petit sac rempli de plantes qu'il n'a montré à personne. Il devient évident qu'il n'est pas prêt à dévoiler tous ses secrets aux scientifiques. Des scientifiques d'ailleurs assez sceptiques sur les informations qu'ils viennent d'obtenir. Pour eux, le bain ne permet pas vraiment d'absorber les principes actifs des végétaux. À moins que Lina Toulette n'utilise d'autres méthodes. À l'arrivée dans la hutte, les plantes médicinales sont enfumées pour être protégées des insectes. Dans un hamac, un malade attend que l'on s'occupe de lui. Mais Lina Toulette refuse obstinément de laisser les scientifiques assister à la préparation des plantes et aux soins donnés aux patients. La seule chose qu'il accepte encore de montrer, ce sont des figurines de bois aux formes étranges. Il dit les avoir reçues de son maître Lina Toulette. Elles lui servent dans ses rites de guérison. Mais d'autres ustensiles dans sa hutte laissent penser qu'il prépare également des potions. Lina Toulette en a assez dit. L'équipe doit sortir, mais à cause de la pluie, elle doit s'abriter à côté de sa hutte. Et quelques minutes plus tard, Lina Toulette sort furtivement de chez lui. C'est bien une potion qu'il porte à l'un de ses malades. Le lendemain, la pluie a cessé. Toute l'équipe de chercheurs retourne sur le continent pour essayer de trouver et de récolter les mêmes plantes que celles cueillies par Lina Toulette le jour précédent. C'est la même piperacée que le guérisseur a ramassé hier, qu'il utilisait pour tous les paniers. Alors je crois qu'on va la prendre. C'est important de savoir. Ouais, non, ça va. Et surtout qu'en Europe, maintenant, il y a un intérêt pour toutes les pipères. Ah. Alors on va prendre. Ah, ok. I can eat. Toxique, non. Smell. Merci.
crois que c'est toujours intéressant de voir comment un guérisseur pratique. Mais personnellement, j'y crois, je peux être un peu un sceptique de nature, j'y crois à 5 à 10%. Nous avons trouvé des guérisseurs qui m'ont proposé une plante pour soigner la schistosomiase, une maladie parasitaire tropicale. Un des symptômes de la maladie, c'est du sang dans l'urine. Et nous l'avons prise parce qu'il m'a dit que le sang dans l'urine disparaît. Et lorsque nous avons étudié cette plante, nous n'avons jamais trouvé d'effet antiparasitaire de cette plante. Par contre, nous avons trouvé des naphtoquinones qui sont des molécules proches ou qui ressemblent aux vitamines K, donc aux vitamines de la coagulation. Donc il est probable, je ne peux pas l'affirmer, que ces guérisseurs soignaient simplement les symptômes de cette maladie et qu'ils ne soignaient pas du tout la maladie. Les informations données par un guérisseur ne représentent finalement qu'un des critères de sélection sur lesquels se basent les scientifiques pour faire leur récolte. Ils en ont d'autres lorsqu'ils prélèvent des écorces, par exemple. Les arbres, par exemple, comme cet immense arbre ici, concentrent ces substances de défense dans l'écorce ou dans l'écorce de racine. Et en médecine traditionnelle, très souvent, sans connaître la chimie, ils savent qu'il faut utiliser l'écorce et l'écorce de racine, moins souvent les feuilles. Voyez ici, superbe. Ici, on voit l'écorce à peu près de 3-4 mm d'épaisseur, et ici, tout ce latex. Alors, on pourrait, ici, pour gagner du temps dans nos analyses à Lausanne, simplement récolter le latex. Parce que dans le latex, il y a peut-être une substance ou quelques substances seulement. Donc, on aura gagné des mois de travail de séparation compliqué. Ici, j'ai trouvé un truc assez dingue. Une plante. Le professeur Hochstettmann et son équipe se basent sur d'autres critères encore pour choisir les plantes qu'ils vont cueillir et analyser. Mais pas à l'extérieur, juste l'écorce intérieure, là où il y a le latex. Vous voyez cette feuille, par exemple, vous voyez que cette feuille n'est pas du tout attaquée. N'est pas attaqué, n'est pas rongé par des insectes. Il y a probablement des substances qui protègent la feuille contre l'attaque par des insectes, des bactéries, des champignons. Voilà, ça c'est un critère. C'est simplement garder les yeux ouverts, observer dans le terrain. Ça c'est un bon critère que nous suivons. C'est aussi de les récolter au hasard. Simplement récolter au hasard, parce que pour certaines maladies complexes, comme le sida, il n'y a pas de données de la médecine traditionnelle. Et je crois que là, il faut tout prendre, tout essayer, ramasser tout ce qu'on voit. Je ne sais pas ce que c'est, celle-là, pour l'identifier. Simplement ramasser, tester. C'est la seule chose à faire. Beaucoup de grandes découvertes ont été faites au hasard. La récolte terminée, c'est le retour à Panama City, où avant de commencer à s'occuper des plantes cueillies, les chercheurs rédigent et envoient un fax à un de leurs collègues en Suisse. Leur but, savoir le plus tôt possible si les plantes choisies valent la peine d'être analysées. Le pipère de l'inatoulette, par exemple, a-t-il déjà été étudié? Auquel cas, il serait inutile de le faire. À l'Université de Lausanne, toutes ces informations peuvent être obtenues sur des bases de données accessibles par ordinateur. Et la réponse est très rapide. L'université donne son feu vert. Les opérations de préparation du poivrier, le pipère choisi par le phytothérapeute Kuna, peuvent débuter. Les plantes sont d'abord séchées, puis broyées et mises en sachet avant d'être envoyées à l'université de Lausanne. À Lausanne, les plantes broyées du poivrier panaméen vont se retrouver au milieu de dizaines d'autres plantes et même d'insectes provenant des quatre coins du monde, d'Afrique, d'Indonésie, de Mongolie, etc. La première opération nécessaire à l'analyse des principes actifs du pipère consiste à préparer des extraits bruts. Les plantes broyées sont mélangées à de l'eau ou à de l'alcool, agitées ensuite pendant plusieurs heures. Les molécules solubles passent dans le liquide où elles sont récupérées après évaporation de celui-ci. Suivent ensuite les analyses et les tests d'activité de ces molécules, des opérations qui sont pour l'essentiel effectuées à l'Université de Lausanne et non pas à l'Université du Panama, qui pourrait donc se sentir lésée puisque les plantes étudiées proviennent de son pays.
À l'heure actuelle, beaucoup de gens dans les pays du tiers-monde se sentent exploités par les scientifiques de l'hémisphère nord. Effectivement, il faut dire qu'il y a eu des cas où des plantes utilisées en médecine traditionnelle dans l'hémisphère sud sont devenues des médicaments et il n'y a jamais eu de retombées pour les pays en voie de développement. Pour nous préserver de ceci et pour avoir accès aux plantes du tiers-monde, nous avons signé un accord de collaboration qui a été signé au niveau des rectorats des deux universités qui stipule très très clairement que toute découverte faite sera publiée conjointement. Et si une molécule active devait déboucher sur un médicament, des brevets conjoints seront pris, donc le bénéfice sera partagé entre les deux universités, donc entre les deux États. Avant tout brevet, il faut commencer par savoir si les molécules extraites des plantes sont actives contre certaines maladies. En ce qui concerne le pipère, le poivrier, utilisé par l'inatoulette Kuna, on teste ici son action contre un champignon microscopique responsable de mycose. Le résultat, des taches claires au milieu des champignons microscopiques noirs, montre que l'extrait de la plante tue les champignons. Le guérisseur Kuna utilise donc un antifongique. À partir du même extrait, les chercheurs vont effectuer encore de nombreux tests d'activité biologique, avec comme priorité les agents responsables des grandes maladies qui touchent le tiers-monde. Les larves de moustiques, par exemple, qui transmettent la fièvre jaune. S'ils trouvent un produit qui tue les larves et qui soit finalement commercialisé, on peut s'interroger alors sur les bénéfices que les Kunas, à l'origine de la découverte de la plante, pourraient en retirer. Mais les Indiens Kuna, eux, ils sont autonomes de l'Université de Panama. Qu'est-ce qu'ils auront, eux? Ça, c'est une question que le gouvernement du Panama devra résoudre. Nous, on ne pourra pas résoudre cette question, parce que nous, l'accord, nous l'avons avec l'Université du Panama. Il faudra espérer que l'Université du Panama, qu'il y ait une retombée directe sur la communauté de ces Indiens Kuna. C'est ça qu'il faut espérer. La question reste posée. En cas de découverte, est-ce que le savoir et la culture millénaire des Kunas seront reconnus à leur juste valeur? Voici des filets de consoude. Okay. Laissez-moi vous servir. Ah ben alors j'attaque. Ah oui, c'est délicieux. Je comprends pourquoi vous appelez filet de consoude. C'est un, oui. peu, c'est un peu comme un filet de poisson, de sole ou de... De sole, oui. Ouais. C'est exactement ce que je trouve. J'ai des goûts de luxe. C'est quand même extraordinaire de voir l'incroyable nombre de choses déjà que vous avez faites ici avec ces plantes qui viennent du jardin ou des prés. Et puis alors toute la richesse de ce qu'il y a à l'autre bout de la planète et qu'on étudie aujourd'hui aussi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très important effectivement d'aller créer de nouveaux médicaments qui peuvent soulager des maux. Mais je me demande s'il ne serait pas quand même intéressant de se pencher justement un petit peu plus sur ce que nous avons autour de nous, et pas seulement dans la notion de soulager les maladies, mais peut-être de les prévenir en appréciant tout ce que la nature peut nous offrir. Oui, mais cette nature, encore faut-il la connaître. Et ça, c'est un savoir qui ne s'acquiert quand même pas en 5 minutes. Pas en 5 minutes, non, bien sûr, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps et les moyens d'apprendre à mieux la connaître, ce qui permet d'ailleurs de mieux la respecter. Bien, on vient de voir que les plantes sont un apport irremplaçable pour la science, mais je peux vous dire, à partir d'aujourd'hui, que c'est aussi un grand apport pour la gastronomie. Bref, c'est tout un art de vivre. Merci d'avoir suivi cette édition de Télescope avec nous, et puis à bientôt. Thank you.
vas más alto que el viento. Dile que traigo en tus alas la libertad.